Geachte voorzitter, dames en heren. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vous en ma qualité de secrétaire d'État. Cette soirée est très spéciale, car si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour honorer le travail des scientifiques qui, en publiant leurs travaux, en ont accompli une prouesse académique remarquable. Mais nous sommes ici aussi pour honorer les victimes qui ont péri dans les camps de concentration. Madame Kim Munchman les appelle « forgotten victims », « victimes oubliées ». Certes avec un point d'interrogation, car nous sommes tenus de ne pas les oublier et nous pouvons difficilement les oublier. We zijn dit jaar al 75 jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog en 70 jaar na het einde ervan. 7 decennia zijn verstreken sinds de Shoah. De herdenkingen van de oorlog en van de Shoah maken ons gevoelig en sterk tegen de haatpredikers, tegen de ideologieën die moord rechtvaardigen of zelfs als moreel goed beschouwen. Le nazisme était l'une de ces idéologies. Dans son étude Before Auschwitz, Jewish prisoners in the pre-war concentration camps, de Dr. Kim Munchman montre comment fonctionne le mécanisme de haine. La propagande nazie présentait les Juifs comme différents des autres Allemands, comme dangereux pour celui qui voudrait s'associer avec eux, et enfin, comme des ennemis du Reich, justifiant ainsi à nouveau la violence à leur égard. Maar het nazisme was niet de eerste dergelijke ideologie. En helaas ook niet de laatste. Ook vandaag nog worden mensen vermoord door mensen aan wie men de overtuiging heeft aangepraat dat moord een morele plicht is. En opnieuw horen we daarbij antisemitische kreten. Opnieuw zijn ook Joden slachtoffer. Ik hoef maar te verwijzen naar wat vorig jaar in het Joods Museum hier in Brussel is gebeurd. Nous vivons dans des temps incertains. Nous savons que demain sera différent d'hier, mais nous ne savons pas encore de quoi demain sera fait. Je parle ici d'incertitude, mais pas de crainte, car nous devons avoir confiance en nous-mêmes, en notre capacité à résister et en notre créativité. Onder meer daarom is het belangrijk de verhalen van de slachtoffers van het nazisme te blijven kennen. Degenen die kunnen vertellen wat ze meegemaakt hebben, worden schaars. Hun verhalen zijn gekenmerkt door moed, volharding en doorzetting. En het is belangrijk dat het verhaal nooit uitverteld geraakt. En daarom is het goed dat schrijvers, reportagemakers en academici blijven beschrijven en belichten wat er is gebeurd. Dat komt uiteindelijk de gehele maatschappij ten goede. En daarom wil ik mijn welgemene dankbaarheid en waardering uitdrukken voor de zeer gedegen en beklijvende werken die de laureaten van vanavond gepubliceerd hebben. Mesdames et messieurs, la société évolue. Elle évolue même extrêmement vite. Et c'est avec force et conviction que nous devons embrasser l'avenir. Continuez donc de nous réunir pour commémorer les victimes de la Shoah, pour témoigner tout notre respect et toute notre gratitude à tous ceux qui ont souffert de la guerre. Mais surtout, continuons de nous réunir pour renouveler notre promesse à leur égard. La promesse de tout faire pour maintenir notre communauté et nous-mêmes du côté du bien afin d'offrir à nos enfants un avenir meilleur que ne le fut le passé. Je vous remercie pour votre attention.